se gâter. Mon bébé, viens. Loin de toi, c'est l'enfer. Loin de toi, je souffre. Pour moi, c'est retour de nous deux. Comment j'ai pu laisser ça se briser? Recommence à zéro, recommençons à zéro. Mon amour, amour, je t'aime, bébé. Encore une fois, je me livre, mais tu as choisi de me laisser. Même pas je tourne dans mon livre, mon amour m'a laissé. Je t'aimais à mourir, mais je finis mal aimé. Sans toi, j'ai du mal à vivre. Dis-moi qui a eu tort, qui s'endort plein de remords. Nazanini, je t'aime jusqu'à la mort. Sore langa, mon bébé. Sore langa. Hey, maman, écoute, j'adore le morceau jusqu'à. Moi, tu sais, je sais, le baranté, maman. Mes copines, mes copines, bonsoir. Judith Kazé, bonsoir. Laurence Défaut, bonsoir. Rose Eke, maman Rose Eke. Maman Association Dolo pour tous. Oui, les femmes fortes, les mamans en or. Bonsoir, mes chéris. Maman Rose Eke, bonsoir, ma star. Audrey Athé, bonsoir chérie. Comment tu vas, maman Audrey Athé? Bonsoir Noël Compressor. Bonsoir maman. Judith Kazé, comment tu vas? Oh, Claire Ngancho, je t'ai appelé. Il y en a au direct. Tu ne devais pas là, mon bébé. Comment tu vas? Envoie le direct. Envoie le cœur. Envoie le cœur et partagez. Envoie le cœur et partagez. Envoie le cœur. Dis bonsoir. Dis bonsoir. Dis bonsoir. Dis bonsoir. Envoie les cœurs partagés. Mes amours, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien, mes chéris. J'espère que vous allez très bien. La team Asda. La team Asda. Les bienfaiteurs et bienfaitrices. Mes amours des followers. Mes amours des réseaux sociaux. J'espère que vous allez très bien. Toutes ces personnes qui encouragent les actions sociales diaspora africaine chaque jour. Oh, maman Karine Gaï, ma soeur chérie, oui. Oui, ma sister est connectée. Ah bon, hein? Hé, hey, coucou, maman. Coucou, ah bon, hein? Hé, hey. Il y a l'autre profil, on l'appelle ah bon, hein? C'est grave. Mélo Mali, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Maman, je n'étais pas là. J'ai écouté. Ah, ok, maman Claire. Vous savez qu'il y a la team Mazda. Les mamans Karine Gaï, la team Mazda. Il y a la team Asda, celle-là qui booste Asda. Ces personnes qui ont pris l'initiative d'encourager la reine galloise, d'encourager l'instrument de Dieu. Que maman, tu fais du bon travail. On va t'encourager, maman, en partageant tes directs, en commandant, en commentant, en restant dans tes directs chaque fois que tu es collecté. Même si nous sommes trois, ne te dérange pas. Nous sommes derrière toi. Merci la team. Valérie, maman, bonsoir. Oh, maman Clara New Look, voilà ma soeur qui est là. Clara New Look, oui, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. La team Asda est là. Maman Karine Gaï, oui. Ma sister, celle-là qui a du prêt-à-porter, pas du n'importe quoi, maman. Je viens dans sa boutique dans la semaine. Je vais visiter sa boutique dans la semaine avec vous. Là-bas, hein, maman. Même tu as le corps flax-flax, comme les nous là, maman. Tu trouves ton compte chez elle. Je vais faire une vidéo avec elle dans sa boutique. Vous allez voir les miracles. C'est du roha. C'est pas du n'importe quoi, maman. Je vous donne rendez-vous chaque jour à Tanya Mode. Institut de beauté situé au carrefour Maison Blanche à Bonamou, ça dit le roha. Là-bas, quand tu sors, quand tu entres l'aide, tu sors belle. Quand tu entres l'aide, à Tanya Mode, tu sors belle. Maman, là-bas, vous avez des coiffures mixtes. Bagnothérapie. Amam. Comment on dit Amam, mais c'est pas moi. Il y a des noms là qu'on dit là que quand il dit, on dit que j'ai pas long, c'est parlé que le maudit. Vous savez que mon maudit m'a tellement sucré dans ma bouche. Non? Vous avez vu que grâce à moi, toutes les filles barrantées des réseaux sociaux parlent le maudit maintenant les directs. Avant, ils disaient que non, je parle pas le patois, je ne comprends pas. Ah ben non. Mais aujourd'hui, grâce à la reine galloise,
Quand tu vois une femme marrante, faire le direct, pas là, me dire, bah, elle est fière. C'est la reine galloise, hein. C'est pas deux personnes. Non, non, non. C'est la reine galloise qui les a boostées. Qui aimait votre patois, aimait votre langue. Donc, je suis fière de moi. Parce qu'avant, quand tu vois les femmes là faire le direct, elles ne parlaient pas trop, me dire, bon. C'est comme si elle parlait tout le Nathan Diwa. Elle parlait toute langue, Jean. Elle faisait comme si elle fuyait. D'où elle sort. Mais quand je suis venue avec parlons ensemble, Medimba. J'ai fait ce qu'elle. Maman, quand on parle deux mots là, après c'est le Medimba qui va. C'est bon. Il faut que chaque personne valorise sa langue. Chacun doit valoriser sa langue. C'est bien, c'est très bon. La bonne charité commence par soi-même. C'est de ça qu'il s'agit. Hein, mes amours. Oh, maman Clara Nyolo, ma soeur chérie, je vous aime tellement. Ah oui, c'est la noblesse, c'est l'élégance. Oui, Kafou, c'est le bon moment, Jean. Maman veut, Kafou, c'est le bon moment. On dirait quoi de Nyang, y'a pas Nyang à Rekwado. Au claque, femme, toi, tu es au moins, toi, tu es au moins, toi, tu es au maman. Au claque, femme, maman, toi, tu es au moins, toi, tu es au moment, maman, toi, tu es au. Mes amours de frères et sœurs, madame Mpola Zinsista, la raison pour laquelle je lance le direct ici, là, ce direct ici maintenant, c'est pour sensibiliser sur l'handicap de 0 à 16 ans. L'handicap de toute la vie même. C'est pour sensibiliser sur les actions sociales diaspora africaine. Maman chérie, mes amours de frères et de sœurs, je sais que vous contribuez beaucoup. Je sais que vous vous levez beaucoup. Mais j'aimerais vous faire comprendre que ne faites pas les choses aux actions sociales comme si c'était pour la reine galloise. Ne faites pas les choses aux actions sociales diaspora africaine. Cette initiative que j'ai prise pour encadrer le bas peuple avec le handicap. Parce que dans les familles, des parents ont tant pleuré. Les familles ont trop pleuré dans notre Afrique. Parce qu'ils étaient abandonnés avec les enfants handicapés. Les enfants avec la différence. Même quand on veut regarder, on regarde ceux qui ont déjà. On oublie le bas peuple. Je suis venu avec le concept du Nyamton, de sortir des parents qui étaient rejetés depuis des années et de leur donner la lumière en faisant des activités aux actions sociales, en leur donnant un coup de main dans le quotidien. C'est un combat de nous tous, ce n'est pas un combat de la reine galloise. Je sais que vous contribuez, mais c'est comme si d'autres gens ne font pas parce que c'est pour la reine galloise. Ce n'est pas pour la reine galloise, vous vous trompez. Détrompez-vous à partir de maintenant. C'est un combat de toute l'Afrique. C'est un combat qui peut amener au peuple africain à changer la loi envers ces personnes qui n'ont pas demandé à naître. Vous savez qu'en arrangeant ces personnes-là, on peut avoir des ouvertures en Afrique. Je prends l'initiative de vous dire ça chaque jour, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas parce que j'ai des enfants différents. Et même si j'avais des enfants différents, voyez où j'ai des enfants différents. Les enfants différents sont européens. Ils sont nés en Europe. Ils ne mendient pas. Ils ne manquent de rien. Même mon séjour au Cameroun, je suis en train de vivre au Cameroun là. Mes enfants différents ont l'argent chaque samedi qui entre, payé par le gouvernement anglais pour subvenir à leurs besoins en Afrique. Ils n'ont pas faim. Donc à vous donner, c'est pour le bas peuple, ce n'est pas pour la reine galloise. La reine est juste cette femme européenne-là, d'origine africaine, qui a décidé de changer la mentalité dans notre continent. Parce qu'on ne vit pas chez les Blancs en étant aveugle. Il faut ouvrir les yeux. Copions de ce qu'on peut chez le Blanc pour amener chez nous-mêmes, pour développer notre continent. Et je fais avec les enfants différents, parce que déjà je suis parent de deux enfants différents. Mes chers frères et sœurs, quand vous voyez les enfants aux actions sociales diaspora africaine, qui n'ont rien, des familles démunies. Vous croyez qu'ils font des activités avec quoi? Vous croyez qu'ils mangent quoi aux actions? On paie le transport chaque jour. On les donne les dons chaque semaine. Quand vous restez souvent comme ça, loja, comme si vous ne voyez pas là. Moi, je m'inquiète beaucoup. Je vais toujours le faire. Mais je dois vous sensibiliser que allez dans PayPal, sur la page de la reine galloise, mettez même 1 euro. Même si chaque jour, ne vous fatiguez pas. Parce que la reine galloise prend ses enfants de l'Europe. Elle vient en Afrique sans demander 5 francs de transport à personne. Elle se met à fond pour vous montrer que je suis prête. Soutenez-moi seulement pour qu'on puisse arriver. Pour qu'on puisse transmettre la nouvelle à nos autorités, à nos gouvernements en Afrique.
afin que les lois soient changées. Les lois changent en faveur du bas peuple. Parce qu'une couche pour un enfant chaque jour qui entre comme ça sans que le parent ne sorte 100 francs au pays, je parle des enfants de sous-quartier, ça pèse au moins sur la tête du parent. Et ce parent peut mieux prendre soin de son enfant si on l'aide dans ce côté-là. Ne restez pas insensé. Ne restez pas insensible. Ne restez pas comme si vous ne comprenez pas le combat de la reine galloise. Ne restez pas comme si vous avez trop fait et vous êtes fatigué. Voyez que cette femme qui est devant là, c'est une femme qui a trois enfants, deux avec le handicap. Et elle prend son temps de l'Europe pour l'Afrique chaque fois. Il ne faut pas avoir des milliards. Il ne faut pas avoir des millions pour faire ce que je fais. Il faut avoir juste la volonté. L'amour de son prochain. S'il vous plaît. La volonté, l'amour de son prochain. La détermination. Please, s'il vous plaît. Ces familles sont nombreuses. Et grâce à vous et moi, on ne les donne pas, qu'on ne les apprend pas à pêcher. C'est des mamans qui, quand vous entendez, elles vendent le poisson braisé la nuit pour survivre. Elles font le call box. Elles vendent des tomates au marché. Elles vendent des oignons. Elles vendent ça, ça, ça. Elles font tel business. Elles sont informaticiennes. Elles se battent. Il ou elle se bat dans le quotidien. D'autres, ses parents sont des bénéficiaires. Ils ne restent pas seulement pour attendre de nous. Non. Mais ils se mettent à fond. Mais c'est bon que la vie n'est pas facile en Afrique. Ne dis pas que, oh, on ne va pas passer la vie à les aider comme ça. Non. En Europe, nous vivons. Nous connaissons comment la vie de l'Europe, le blanc nous donne la facilité. Moi, voici aujourd'hui, j'ai souffert pendant 10 ans pour que mon enfant ait une voiture. Pour que mon enfant ait une voiture gratuite. Dieu m'a récompensé aujourd'hui. Quand je vais rentrer là, mon enfant, ils ont finalement accepté la voiture à mon fils. C'est pas, c'est l'Europe. Ils ont finalement accepté de grant, de donner une voiture gratuite à mon enfant. À mon fils Luther. Vous allez me voir dans la grosse voiture en Europe. Envier la reine galloise. Pourtant, c'est la voiture de l'handicap de mon enfant. Le blanc a compris. Et il aide ce bas peuple-là. Il fait tout pour mettre ces gens à l'aise. Voilà pourquoi le pays est développé. Leurs pays sont développés. Chers frères et sœurs, on peut avoir le message à nos gouvernements. On peut envoyer le message à nos autorités dans le monde entier. Dans la paix, sans la guerre, en faisant preuve, en montrant ce que nous voulons. Les actions sociales diaspora africaine à but non lucratif, elle l'a pour ça. Chaque jour que Dieu a créé, je fais dans la transparence. J'expose des familles, je m'expose moi-même pour édifier dans le monde entier. Et vous voyez, d'autres qui ont l'opportunité. Yolande Nofele, tu ne rentres plus ma galloise. Maman, quand je paye le ticket, on n'était pas ensemble. Ne t'inquiète pas. Quand je vais rentrer, on va voir et sur rentrer. Quand je paye le ticket, je n'ai pas demandé l'audience à quelqu'un pour payer le ticket pour venir au Cameroun. Donc quand je vais rentrer, vous allez voir et sur rentrer. Quand vous allez me payer le ticket pour venir au Cameroun, demandez-moi que tu ne rentres plus. Là, je vais vous dire que oui, comme on avait payé le ticket ensemble là, le jour est passé, il y a eu ça, ça, ça. Mais tant que vous ne me payez pas le ticket pour venir en Afrique, ne me demandez pas que tu ne rentres plus. Parce que je n'ai pas mis un direct pour dire que je veux le ticket. Le jour où je mettrai le direct pour dire que je veux le ticket pour venir en Afrique avec les enfants. Voilà, payez-moi le ticket et demandez que tu ne rentres plus. Je vais vous donner les explications que oui, je ne rentre pas, mais je rentre. Car je dirais que c'est vous qui avez payé le ticket de la reine galloise. Mais tant que vous ne faites pas ça, ne me posez pas des questions, tu ne rentres plus. C'est pas intéressant. C'est pas de ça qu'on parle. Je suis en train de sensibiliser par rapport aux 100 voix à ces personnes qui n'ont pas demandé d'accoucher des enfants différents. À ces familles qui ont été rejetées des années par leur famille, l'entourage, l'environnement et tout. Même le mari. Ces familles que les hommes, ces femmes que les hommes jettent chaque jour parce qu'ils ont l'handicap. Parce que l'enfant a l'handicap.
l'homme l'abandonne. C'est de ça que je parle. Ce n'est pas grave. Aïssi Meta, Meka, si raconte partout ce qu'il veut raconter, que tu veux suivre, c'est parce que tu es mamie Congo, ça. Parce que toi-même, tu as voulu le suivre comme ça. Allez raconter, il n'y a pas de problème. Mais l'histoire retiendra que son fils, on a mangé les caca de son fils aux actions sociales. Si on a mangé cet argent-là et qu'on a pris soin de son fils, on a soigné son fils, c'est ça qui est l'essentiel. Allez raconter ça ailleurs. Qui raconte partout. Il raconte à gauche, il raconte à droite. Ce n'est pas un problème. Son fils n'est pas le seul enfant des actions sociales. Même si on a pris cet argent-là, d'autres enfants ont profité. Ce n'est pas grave. Il n'y a rien que vous allez dire par rapport à cet enfant ou bien par rapport à quoi que je vais entrer dans vos pièges et marcher comme vous voulez ou bien raconter des histoires ou bien me mettre ma caméra pour parler de ce monsieur négativement, l'insulter après le départ de lui et son enfant dans mon centre. Je suis là dans l'humanitaire, je fais dans l'humanitaire. L'humanitaire, c'est mettre les gens ensemble, c'est pas les séparer. Donc tout ce que tu racontes là, c'est pour vous là-bas. Allez encore l'appeler, qui vous raconte plus que ça. Et faites aussi pour vous, prenez aussi cet enfant là. Ouvrez aussi vos actions. Ou bien faites aussi comme moi je fais là. Pour voir comment ça va être. C'est tout ce que je peux vous répondre. I don't give a fuck. I don't give a damn. I don't give a shit. Ce que je fais, c'est pour Dieu. Je ne fais pas ça pour les hommes. Donc, I don't give a fuck, man. Pourquoi tu es sur la défense? C'est une question. Parce que j'ai besoin. Je suis libre d'être sur quoi que je suis. Je suis libre de dire ce que je veux dire. Je suis libre. Je suis sur la défensive parce que c'est mon direct. Si c'est votre direct, je ne serai pas sur la défensive. Si ma défensive ne te plaît pas, tu te bloques de ma page, il n'y a pas de problème. C'est de ça qu'il s'agit. Mes amours de frères et sœurs, avant d'être distrait par des paparazzis de ma page, je tenais à vous dire, mes chers frères et sœurs, mes amours, pensons à ces enfants qui n'ont pas demandé à naître. Mettons-nous ensemble pour apaiser le quotidien de ces familles, de ces femmes qui ne négligent pas les enfants en longueur de journée, de ces femmes qui acceptent malgré tout l'handicap de leur enfant. Malgré le fait qu'il n'y a même pas le social ici, on ne les aide pas. Elles ne give up pas. Maintenant, elles ont pris l'initiative de venir au centre social, leur faire plaisir et de coopérer avec la reine galloise. S'il vous plaît, mes chers frères et sœurs, ne baissez pas les bras. Fautrice et Béatrice, pourquoi tu réponds même à Star, chérie? Laisse les paparazzis parler. Avant moi, on ne connaissait pas cette famille sombre. Donc, si c'est qu'il n'est pas content, qui crée son action, qui lance ses directs, qui fait ses choses, on va connaître son enfant. C'est que la chance qu'il a eue, c'est que j'ai déjà fait la publicité de cet enfant-là. Donc, il peut continuer. Et vous qui partez l'encourager, là, allez jusqu'au bout. Hein. Ne parlez pas seulement au téléphone et puis vous le laissez tomber. Ça serait trop lamentable pour vous. Parce que les directs sont là, où ils vénèrent la reine galloise. Où ils parlent bien des actions sociales. Où ils parlent de l'harmonie. Où ils parlent de la vérité. Les directs sont là. Donc, vous qui allez l'écouter, et que vous qui êtes détracteur de la reine galloise, vous vous transformez en personne qui aime la reine galloise. I don't give a fuck about you guys. Je parle avec des vraies personnes qui sont là. Qui sont là pour qu'on soutienne, pour qu'on élève notre Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Bonsoir reine galloise, bien vrai. Pas d'égarement dans leurs palabres. Merci beaucoup Lisa Joe, merci beaucoup la team. Merci la team Asda. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont contribué, mais qui ne sont même pas de la team Asda. Jamais. Qui ont conduit parce qu'il fallait que je mette leurs photos sur la toile pour leur dire merci, c'est tout. Mais qui n'étaient pas de la team Asda. Il y a des personnes qui contribuent chaque jour. Chaque fois, ils n'ont pas besoin de publicité ou bien de trop bavarder ou bien de je ne sais pas, venir me raconter des histoires à deux balles dans mon direct. Je t'aime depuis la Côte d'Ivoire. Merci Naomi. Naomi Dazilva, merci chérie. L'union fait la force, Audrey. L'union fait la force. Maman Fautrice Béatrice, merci chérie. Merci ma star. C'est de ça qu'il s'agit. On vous connaît. Je suis une ancienne des réseaux sociaux. Je connais comment ça se passe. Quand un problème vient frais, on connaît comment on prend le problème. Et soyez prête. Parce que je suis une ancienne morte vivante, vous le savez. Je n'ai pas peur de quelqu'un ici. I'm not scared of nobody. Viens seulement bien. Parce qu'il y a un mot bon moment. Il y a humanité, c'est une tsudou d'abord. Quand même, tout humanitaire. Ce qui est sûr, c'est ça. I'm not scared.
I know what I'm doing. Si vous trouvez que la reine galloise ne fait pas bien, faites à la place de la reine galloise. Si vous êtes fatigué de contribuer, ne contribuez plus. Car la reine galloise, même c'est qu'elle prend l'argent de sa monétisation et l'argent des enfants, et l'argent de mes enfants en Angleterre, je mets dans mon initiative. Donc, je n'ai pas besoin de tout ça. Nous sommes là pour toi. Ah oui, Clara Nyoulou, j'ai ma team à moi. Les vrais teams là sont là. Ça ne chauffe pas, ça ne ment pas. Donc vous qui vous baladez souvent, allez dans vos directs de lécheuse, toutes ces histoires à deux balles là. Vous continuez à faire les choses là. Vous continuez à vous lécher là-bas. Je n'ai pas besoin de ça. Ça donne un datator. La Bello Daï, bonsoir. Comment tu vas? Bayano Parker, bonsoir, bonsoir. Bonsoir la team. Bon, je disais ceci, mes chéris. My darling people. My darling brothers and sisters. My beautiful people. You guys are the only person I can speak to. When I speak to you guys, I'm so happy. Because I know that you guys understand me properly. Il est temps que nous nous mettions ensemble. Tayana Debe, bonsoir ma star chérie. La distraction n'est pas au nom. Regardez bien le fond de mon bête. Quand je vois Mitonia, on ne peut pas me distraire. On m'a distrait à l'époque. Aujourd'hui, on ne peut plus me distraire. Le temps l'est passé. Regarde le fond de Mitonia. Je ne ressens pas la distraction, moi. Ça ne serait pas facile. Pas du tout. Je sais ce que je veux sur la toile aujourd'hui. Je suis là pour lutter pour le bas peuple. Et je fais chaque fois les gens voient. Maman, j'aime un temps que. Voilà ma grande soeur chérie qui est là. Voilà mes mamans qui sont là. La team Asda est là. Ceux qui ont donné avant et qui sont fatigués ne donnent plus. La team est là, bien soudée. Et ils donnent toujours. Allez donner ailleurs. Allez appeler le père de l'autre vous donner. L'histoire retiendra que nous, on a mangé bien le caca. On a bien aidé. Mais la famille a voulu nous abandonner avec l'enfant. Nous abandonner avec leur croix. On a dit non. On n'est pas le seul enfant. Au moment de Dieu a dit que puisqu'il n'y a plus. C'est l'ombracataire. Maf! On a déposé là-bas. Tu quittes sur ça où là? Donc, qu'est-ce qui raconte tout dans les inbox à vous là? Aidez-le seulement. Je ne sais pas qui raconte, il raconte. Et puis, vous donnez 50 000. Après, vous ne donnez plus. Hein? Ah, God, hein? Donnez seulement. Hein? Donnez. Et cherchez à voir comment l'enfant là est. Cherchez à demander à cette famille où est l'enfant là, comment il est, le cadre. Voyez d'abord cet enfant pour sauver la vie de cet enfant là. Ne faites pas bêtement les choses. Ne venez pas me dire qu'il a dit que. Dites-moi plutôt, on a vu l'enfant. L'enfant est bien maintenant par rapport à Asda. Là, je vais dire que Dieu merci. Parce que c'est notre soir, nous tous. Bande de congosseurs. Le monde va te soulever, ma. Merci, maman Fautrice Béatrice. Merci, maman. Du courage. Merci, maman Françoise. C'est toi que je connais qui avait pensé à nous avant. Qui avait pensé à nous avant. Amina, qui bon, comment tu vas? Ah oui, l'histoire de l'heure. Mitonia, c'est ça, Audrey Até, c'est Mitonia. Mitonia, maman Mobicho. Maman Goutu, demandez à Baranté. Demandez à l'Ondéco, de qui on appelle les Mitonia. Les Mobi. C'est des femmes très propres, hein. C'est des femmes très dignes. Hein? Des femmes de. Hey! Bon, que dire? Je suis même la dernière des météos. Les vrais météos. Quand vous les voyez, les mobis, c'est des femmes classe. Des femmes dignes. Les femmes qui sont déterminées. Mes chers frères et sœurs, je dis et je redemande ici. Vous avez fait tout pour détruire la page. Est-ce que je ne parle pas toujours? Je vais tout parler. Et à la fin du mois, j'aurai toujours cette monétisation-là. Et la monétisation-là va aider à élever le bas peuple. L'argent de la monétisation aujourd'hui aide le bas peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Que ce soit même 100 000 francs CFA le mois. Le bas peuple en profite. C'est de ça qu'il s'agit. I am phénoménal au même. Yes. Je suis un instrument de Dieu. Personne ne peut détruire ça. Colette Nyamcha, tu as fait, on a vu ma reine galloise. Maman chérie, faites aussi pour vous, on voit.
Merci beaucoup, maman Colette. J'ai fait, on a vu. Faites aussi pour vous. Le contraire de ce que j'ai fait, on voit. Bande de bouchardeurs. Métonia. Bande de blablabla. Faites on voit. Faites on voit, non? Ah, mais nous sommes de tout cœur avec toi. Regarde juste devant les contenus des œuvres. J'ai que toute langue déplacée sur moi, même si c'est n'importe où, vous allez sentir ça dans vos corps. Vous allez lire Kanguka toutes vos vies. Vous avez lu Kanguka. Kanguka va chanter dans vos oreilles toutes vos vies. Vous n'allez pas savoir pourquoi vous lisez Kanguka. Vous n'êtes pas sûr de vous. Toute langue déplacée, toute parole contre moi, faites très gaffe. Il y a Sian Kanguka, Dieu. Et tuer les boutons avec les chèvres, ça va pas aller. Quittez vite, hein. Ne faites pas l'erreur. Mano mec erreur. Il y a mes instruments au God. Yes. Nathalie Owen, comment tu vas, bébé? Comment va le Yuki là-bas? Je suis encore au Cameroun. Quand Dieu va décider que je rentre, je vais rentrer. Pour le moment, je suis au Cameroun. Je veux pour les handicapés. Je veux pour le sans-voix. Quand tu veux faire dans l'humanité, fais avec tout ton amour, ton cœur et tout. Ne fais pas à peu près. Et nous, les choisis de Dieu. Quand nous faisons, ça avec tout l'amour et le cœur, on ne fait pas à peu près. Je ne suis pas comme vous. Je suis un instrument. Et je ne ferai suivre la voie de mon Dieu. Quand Dieu va dire qu'il est temps de rentrer, je rentrerai. Et quand il va dire qu'il est temps de revenir, je vais revenir. Et attendez quand je demande le billet d'avion. Et que vous payez le billet d'avion pour venir au pays. Demandez-moi que tu rentres quand. Mais tant que vous ne payez pas le billet d'avion à Métonia, vous venez au pays œuvrer. Fermez-la. Merci. En bon entendeur, salut. C'était juste un coucou. Et vous dites de continuer à contribuer pour les actions sociales. Car il y a des familles. Il n'y avait pas seulement un seul enfant aux actions. Il y a des enfants là-bas qui ont besoin de votre soutien. Merci. Que Dieu vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir.